Le couloir. Il faut une clé pour l'activer. La clé de Will. Ça dit qu'il faut réinitialiser le noyau de la machine. Super. Et il ressemble à quoi? C'est le machin rond au centre, je crois. Je dois réinitialiser le noyau avant de l'activer. Je dois d'abord trouver comment réinitialiser le noyau. Ça fait beaucoup de choses à digérer, hein? J'ai arrêté de chercher des explications rationnelles quand vous avez commencé à vous téléporter. Ouais. Même moi, j'ai pas encore compris comment je faisais ça. Je pense qu'on est prêt. Attendez, on va vraiment activer ce truc? Vous êtes sûr? Je veux dire... ça a l'air un peu plus complexe qu'un micro-ondes. On devrait peut-être commencer par trouver le mode d'emploi. Vous pensez vraiment que ça va nous aider? Non, sûrement pas. Raison de plus pour ne pas essayer. Non mais sérieux, vous vous rappelez du film La Mouche? J'ai pas envie de finir comme Jeff Goldblum. Non, rien qui puisse me servir. Ok, où sont les commandes de réinitialisation? Bon,
noyau doit se trouver au centre de la machine. Hé, je peux réinitialiser le noyau à partir d'ici, on dirait. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites ? Pas du tout. Mais j'ai aidé Paul à programmer la machine à l'université. Ce qui a ensuite provoqué la fracture. Écoutez, Will savait que les calculs étaient erronés. J'espère que ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait ici. C'est ça que Will voulait qu'on trouve. On doit la tester. Le noyau, c'est ce qu'il faut activer en premier. C'est peut-être ça qui va nous permettre de trouver la contre-mesure. On va voir. Le processus n'est pas fini. Le noyau est réinitialisé. On doit l'activer depuis le poste de commande. Les commandes sont là, d'après le moniteur. C'est parti. C'était quoi ? C'est normal. Tout va bien. Tout va bien. Ça a marché. Ça a vraiment marché. Bon. Ensuite, on active le couloir. Ok, je pense que c'est pas normal que ce truc soit exposé comme ça. Alléluia. Est-ce que c'est censé faire ça ? C'est la clé de Will qui a fait ça ? Ouais. Cette clé contrôle une machine à voyager dans le temps et il l'a laissée dans le coffre de sa voiture. C'est mon frère tout craché. Plutôt inquiétant comme son. Merde. Espérons qu'elle fonctionne encore. Ça va fonctionner. C'est obligé. Vous n'avez pas réellement prévu d'utiliser cette machine ? Rassurez-moi. J'imagine que le fait que ce truc ait été bricolé par un type tout seul dans son coin ne vous fait absolument pas peur. Parce que je vois carrément du scotch, là. Ouais, non, c'est une super idée, vraiment. Je vois pas comment ça pourrait mal tourner. Il y a marqué « saisie de la date » sur cette console. J'imagine que c'est ça, là. Oui, c'est parfait. Ça va aller. On va arranger ça. Un noyau ? Attendez. Monarch a dit que ce qu'ils avaient volé à l'université était un genre de noyau. C'est… Le noyau d'une machine à voyager dans le temps. On n'est pas les seuls à en avoir une. Merde. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire avec ? Les plans de Seren sont basés sur le futur, pas sur le passé. Mais pour réussir, il doit tout contrôler. Avec une machine à voyager dans le temps, c'est possible. Il y a une limite entre vouloir tout contrôler et jouer à Dieu. Et là, il l'a franchi, et de loin. C'est de la folie. Non, 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 non. Quoi ? Pas vrai ! Je sais pas. On y était presque. Je vais réessayer. Non, mais attendez ! Vous avez vu, la machine a un problème. On n'est pas sûr ?
Vous n'êtes pas formé pour ça. Si vous y touchez, vous allez l'endommager, ça vous le savez. C'est impossible d'abandonner. Vous êtes en colère d'avoir perdu un proche, d'accord. Mais ça, c'est pas dans nos cordes. On peut rien pour la machine. Mais quelqu'un pourrait nous aider. Sophia Amaral. La chercheuse de Monarch. J'ai vu sa vidéo près de la zone zéro. Elle bosse sur les chronons de Sérène. Elle sera au gala de Monarch ce soir, mais la sécurité aussi, on ne pourra pas l'approcher. Sauf si j'ai une invitation. Paul m'a dit qu'on pourrait se retrouver à cette fête. C'est certainement pas une invitation amicale. Jack, non. Le futur m'apparaissait tellement limpide tout le temps où je revivais le passé. Une fois revenu le jour où j'étais parti, tout ça a pris fin. Tout ce qui me permet d'avancer depuis, ce sont les plans, mais aussi les visions. Je savais que Jack viendrait me trouver. Je l'avais déjà vu. Mais je ne savais pas pourquoi exactement. Ou comment ça arriverait. Le voilà. Vous aviez raison. Mes visions du futur ne sont pas toujours très claires, mais elles ne mentent jamais. À propos de mensonges, Joyce prétend avoir découvert la machine de son frère. Ça fait 17 ans qu'on la cherche et Jack l'aurait trouvée en moins d'une journée. Pas sûr du tout. Et pourtant, nous savons qu'elle n'est pas loin, et nous ignorons ce que son frère a pu lui dire. S'il a vraiment trouvé la machine, pourquoi venir ici vous le dire? Il essaie de vous manipuler. Peut-être, mais la machine est bien quelque part. Et il est dans notre intérêt de la trouver. Si Jack sait où, il faut que je lui parle. Le docteur Joyce aurait pu répondre à cette question. Le comportement de William et ce qu'il savait faisait de lui une menace. Vous pensez que ce jeune homme en colère sera plus coopératif que son frère? Dans vos souvenirs, Jack est un ami. Mais cela ne doit pas influencer vos décisions. N'en faites pas une affaire personnelle. Ça ne l'est pas. Alors n'oubliez pas pourquoi nous sommes là ce soir. Après ce qui est arrivé, nous devons réaffirmer notre contrôle auprès de la population. Vous êtes le seul à pouvoir les convaincre. Je peux m'occuper de Joyce. Concentrez-vous sur votre discours. Je connais les enjeux, Martin. Après l'accident du docteur Kim, le docteur Sophia Amaral lui avait succédé à la tête du département d'études sur les chronons. C'était la seule à pouvoir soigner le syndrome des chronons. Monsieur Joyce nous attend en bas.
Le manoir était une extravagance, mais il servait lors d'occasions comme ce gala. Et il détournait l'attention de nos centres de recherche. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Tout devrait être prêt à l'heure qu'il est. Nous sommes dans les temps. Ne vous occupez pas de ces broutilles. N'avise pas de broncher. Et te voilà. Je voulais voir le train de vie des malades et des traîtres de plus près. Et l'invitation était si gentiment envoyée. Que souhaitez-vous faire, Paul? Je pouvais encore tenter de parler à Jack et de lui faire entendre raison, ou bien je pouvais laisser Hatch s'occuper de lui pour me concentrer sur la gestion de Monarch. Je suis allé dans le passé. J'ai essayé de changer les choses. J'ai une question pour toi, Paul. À une époque, Jack était la personne en qui j'avais le plus confiance. C'était ma seule chance de lui faire comprendre la vérité. Comment ça, personne n'a réussi à distinguer le tireur? Mais si je n'étais pas là pour faire ce discours, mon empire commencerait à s'effondrer comme un château de cartes. Martin, j'ai bien peur que vous ne deviez faire ce discours à ma place. Très bien. Jack et moi avons des tas de choses à nous raconter. Ouais. J'ai vu ce qui nous attendait. J'étais présent lors de la fin du temps, et j'y ai survécu en retournant en 1999, là où tout a commencé. J'ai essayé de changer le cours des choses. Si Jack sait où, il faut que je lui parle. Le docteur Joyce aurait pu répondre à cette question. Le comportement de William et ce qu'il savait faisait de lui une menace. Vous pensez que ce jeune homme en colère sera plus coopératif que son frère? Dans vos souvenirs, Jack est un ami. Mais cela ne doit pas influencer vos décisions. N'en faites pas une affaire personnelle. Ça ne l'est pas. Alors n'oubliez pas pourquoi nous sommes là ce soir. Après ce qui est arrivé, nous devons réaffirmer notre contrôle auprès de la population. Vous êtes le seul à pouvoir les convaincre. Je peux m'occuper de Joyce. Concentrez-vous sur votre discours. Je connais les enjeux, Martin. Et te voilà. Je voulais voir le train de vie des malades et des traîtres de plus près. Et l'invitation était si gentiment envoyée. Que souhaitez-vous faire, Paul ?
Je pouvais encore tenter de parler à Jack et de lui faire entendre raison, ou bien je pouvais laisser Hatch s'occuper de lui pour me concentrer sur la gestion de Monarch. Je pense que l'espoir nous fait commettre des erreurs. Et comme nous le savons tous les deux, Monsieur Joyce, les erreurs entraînent souvent des catastrophes. Voilà pourquoi je devais vous parler, Monsieur Joyce. Mais mon vieil ami serait une cause perdue, mort et enterré, comme le reste de mon passé. Nous sommes réunis ce soir pour faire face aux ténèbres. Ce soir, réjouissons-nous, car je vous avais promis que nous serions prêts. Monarch gagnerait en puissance si j'étais présent. Le plan se déroulerait comme prévu. Il n'est pas question de tout compromettre maintenant. Interrogez-le, voyez ce qu'il sait ensuite. Débarrassez-vous-en. Ta bonté te perdra. Je sais que tu tiens absolument à en faire une affaire personnelle, Jack. Mais tout ça appartient au passé maintenant. Et je dois me préparer pour mon discours. J'ai vu ce qui nous attendait. J'étais présent lors de la fin du temps, et j'y ai survécu en retournant en 1999, là où tout a commencé. J'ai essayé de changer le cours des choses, mais en faisant ça, je n'ai fait que déclencher tous ces événements. Monarch s'y est déjà préparé. Il y a ce truc. Ça s'appelle le plan capsule temporelle. Et ça peut nous sauver, du moins certains d'entre nous. Vous représentez Monarch depuis tant d'années, Martin. Mais soyons clairs sur une chose. C'est moi qui dirige ce navire. Votre jugement est altéré. Vous avez besoin de votre traitement. Tu vas y aller ? Moi, aller à une fête ? On peut y aller ensemble. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que vous témoigniez. Certains membres de notre groupe sont allés trop loin. La situation a dégénéré. Et toute cette violence, c'est à cause de Jack Joyce. On a perdu le contact avec le véhicule qui transporte Jack Joyce. Vous devez le retrouver. Recule ! Dépêche-toi ! Liam, ce n'est pas ce que tu penses. Non ! Non ! Il est parti ! Que tout le monde se lance à la poursuite de Liam Burke. Il est armé et dangereux. Respire. Le traitement, il est de moins en moins efficace. Il fonctionne. Non, je dois développer une nouvelle formule. Tu devrais te détendre ce soir. Tu travailles déjà beaucoup trop. J'ai fait des tests sur les anomalies temporelles. Leur fréquence et leur durée augmentent. Elles vont disparaître, je te l'ai déjà dit. Tu dois envisager la possibilité que ce que tu as vu soit faux. Ce n'est pas faux! Je dois me préparer pour mon discours. Sophia, tu ne devrais pas t'inquiéter autant.
Tu n'as pas touché à ton verre? J'ai pas vraiment l'habitude de boire, j'imagine. Dure journée? Ouais. Ouais, moi aussi. Genre quoi? J'ai des journées très mouvementées, je te jure. J'ai dû gérer un problème en interne. Un problème en interne? Tu me laisses poireauter? Bah, tu sais, c'est interne. Charlie. Ça marche, ça Allez, marche. Allez, je t'écoute. J'ai aidé à coincer un traître aujourd'hui. Un traître? Toute cette agitation était due à ça, j'imagine. Ouais. C'était moi. C'était qui? Bah... C'était qui? Qui était le... Qui c'était? Ouais. Je peux pas. Non. Quoi? J'ai pas le droit de te divulguer cette information. Mais c'est toi qui as lancé le sujet, genre révélation à Monarque. Ouais. Quoi? Eh ben, je crois que je vais pas pouvoir satisfaire ta curiosité. Je suis sérieux, cette fois. Je pensais que tu aurais peut-être voulu partager ça avec moi, c'est tout. Il faut que j'aille aux toilettes, alors je vais devoir te laisser poireauter. Ça marche. Va discuter. Allez, et bois ton verre. Ok, d'accord, d'accord. Merci pour le flingue. Docteur Amaral? Martin. J'ai besoin de votre aide. Il vous écoute. Paul. Vous croyez? Je pense que nous sommes en danger, et il ne le voit pas. Il ne veut pas le voir. Je ne comprends pas pourquoi. Je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord, mais Monarque compte pour vous. Vous vous intéressez à son avenir. Et si nous atteignons le point zéro, nous devons agir. Et que suggérez-vous, juste? Vous le savez très bien. À vrai dire, Sophia, le problème n'est pas de savoir si Paul m'écoutera ou pas. Car moi, je ne vous écouterai pas. Je trouve votre approche, pour le moins, contre-productive. Vous bourrez le crâne de Paul de théories alarmistes, vous le distrayez avec vos scénarios apocalyptiques ridicules, et pour être franc, je regrette le jour où il vous a donné une once de responsabilité dans cette entreprise. Parce que, comme vous le dites, Monarque compte pour moi. Qu'est-ce qui vous fait tellement peur, Martin ? Est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir peur? Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. Nous étions en train de discuter. Vous devriez vous préparer pour votre discours. Bonne soirée, docteur.
Hey, Crocker, c'est ça? Hey, Crocker! Crocker! Il faut vraiment que je chie! Allez, merde, Croc! Crocker! Crocker! S'il te plaît, Crocker! Ah là là. Ah. Là-bas. Où? La femme avec le collier. Je parie là-dessus. C'est pas un mauvais choix, ouais. Mais je pencherais plutôt pour Ryan Gosling là-bas en train de discuter avec George Clooney. Il porte de jolis boutons de manchette. Il parle de la bourse. Richard, mais où t'étais passé? J'avais égaré mon avis. Non, je ne perds jamais rien. Il s'engueule. Ouais. Waouh. Elle y va. Non. Bam. Je te l'avais dit. J'en ai marre de perdre. Tu me dois une épée. Je crois Allez. Que je peux plus boire. Non, les règles sont les règles. Les règles sont les règles. Les règles sont les règles, bordel. Tu me dois une autre épée. D'accord. Ça marche. Okay. Je vais le faire. Oh, je déteste ça, en fait. Tu peux le faire, Charlie. Merci, tu peux ton le soutien. Faire. Ah. Bien joué. Merci. J'aimerais vraiment être meilleur à jeu. Tu veux aller faire un tour? Ouais. D'accord. Je Allez, prends c'est parti. Mon épée. Ouais, moi aussi. Crocker, 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 Crocker. Ok, hé, hey, mon pote. Crocker. Crocker. Burke. Crocker. Hé, hey, mon pote. Hé. Burke, écoute, si tu m'obliges à entrer, tu vas salement le regretter. Écoute, c'est juste un putain de malentendu, toute cette histoire. Demain matin, je serai dehors. Je parlerai de toi au boss. Je t'aiderai à sortir de ce trou. Tout ce que je voudrais, de ta part en contrepartie, c'est que tu me laisses aller chier. Va contre le mur du fond. Merde, merci mec. Vraiment, merci. Allez. Allez. Oh mec, merci, vraiment. La ferme. Recule lentement. Ouais. T'es sûr, ça t'embête pas d'être parti? Bah, c'est pas comme si j'avais envie d'y aller à la base. Je vois. Pourquoi t'y aller? Parce que quelqu'un m'a forcé la main, je crois. Ah! Est-ce qu'on a le droit d'être là, au moins? Oui, bien sûr. Bon, ça va alors. Alors, qu'est-ce que t'aurais fait ce soir si on n'était pas venu? Quoi, si j'étais pas venu à la fête avec toi? Ouais. Eh ben, j'aurais annulé tous mes autres trucs super importants et je serais retourné travailler. Eh, tu crois pas que tu travailles un peu trop? Si, mais bonne réponse. Enfin non, tu sais, je vois pas ça comme du travail. J'aime bien être à fond. Ouais. Ça me donne l'impression d'être connecté. Tu travailles tout le temps aussi. En fait, quand je suis là, t'es souvent là aussi. Alors, c'est peut-être toi qui bosses trop. Peut-être. Je sais pas. J'imagine que oui. J'adore mon boulot. Mais on bouge plus! Oh, merde! Sale petite merde! Hey, ouais. Tout ce que je te demandais, c'était de me laisser rentrer dans ce labo! Vous avez trahi Monarque. Qu'est-ce que j'étais censé faire? T'as aucune idée de ce qui se passe, hein? Je dois accéder à ce labo. J'ai besoin de quelque chose qui s'y trouve. Le plan capsule temporelle. Vous travaillez avec Bess Wilder. Je vous ai déjà vu. Tu la connais?
c'est à cause d'elle que je suis ici. C'est vraiment nécessaire? Ouais. Allez, grouille-toi. Vous êtes trop aimable. C'est par ici. Oh, ok. Je m'en charge, les gars, je gère. Ouais, j'imagine que vous pouvez pas le faire. J'ai un talent très spécial. Content qu'il soit reconnu. Mais de rien. On y est? Extrêmement hostile. J'en avais encore jamais vu. Une forme de vie? C'est le docteur Kim. Vous savez qui je suis. Martha Hatch, je suis la seconde moitié de Paul. Et ça veut dire quoi au juste? Je m'occupe des affaires de Monarch. Bien souvent de celles que Paul considère comme secondaires. En gros, vous êtes son assistant. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça en a pas l'air. Je peux rester là et vous adresser mes condoléances pour votre frère, et vous me direz d'aller me faire foutre. Ou vous dire que Paul ne veut pas qu'il vous arrive la même chose, et vous me direz encore d'aller me faire foutre. Ou alors, je peux souligner le fait qu'il y a une grosse différence entre Paul et moi. Car Paul, lui, eh bien, il a encore espoir en ce monde. Moi, au contraire, j'adopte une approche beaucoup plus réaliste. Le problème, c'est que je pense que l'espoir nous fait commettre des erreurs, et comme nous le savons bien, Monsieur Joyce, les erreurs entraînent souvent des catastrophes. Paul est un homme extrêmement dangereux, presque fanatique, je dirais. Et la situation ne fera qu'empirer si personne ne l'arrête. Et voilà pourquoi je suis là, Monsieur Joyce.
Nous arriverons peut-être à trouver un terrain d'entente. C'était mon mentor. À la fac et ensuite ici à Monarch. J'avais des problèmes et il m'a aidé à m'en sortir. C'est bon. Enfin, presque. C'est un fichier fantôme. Tout a été effacé, il reste que ça. Quelqu'un est déjà passé par là. Je trouve... régulateur de champ de chrono. Une minute, attends. Bon sang, c'est le rapport du docteur Amarala. Qu'y a-t-il ? Les interruptions, elles sont de plus en plus rapprochées. C'est quoi une interruption ? Plus il y a d'interruptions, plus on approche de la fracture. Ok, et c'est quoi une fracture ? Le temps. Au point zéro, il s'arrête et il ne repart pas. Et la capsule temporelle pourrait nous sauver ? J'en ai aucune idée. Mais le régulateur de champ de Chronon, c'est le cœur de la technologie temporelle de Monarch. Tout repose dessus. Il est lié au plan capsule temporelle. Restons pas là. Non, non, allez, vite, vite, vite. Par ici, venez. Allez. Non, 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 fais pas ça, hâte. Tu finirais comme elle. Fiona. Le labo nous protège des interruptions. Reste là. Protège-les. Vous allez où ? Il y avait des harnais à chrono là-haut. Ils nous les font. Équivalent en action. Équivalent en action.
La sécurité était renforcée au gala de Monarque. Vous preniez un gros risque en vous jetant dans la gueule du loup. Si nous voulions enlever le docteur Amaral, nous allions devoir le faire de l'intérieur. Bess Wilder, vous lui avez vite fait confiance? On partageait les mêmes intérêts. Et rien d'autre? Et ça suffisait. Merci d'être venu. Et moi qui pensais que j'allais vous sauver. Alors, racontez-moi tout. Vous connaissez ce type, Hatch? Le bras droit de Seren? Il était là. Il m'a fait tout un discours disant qu'il voulait se débarrasser de Paul. Vous avez refusé, j'espère. Je l'ai pas cru une seconde. Il m'a libéré et dit d'attendre une occasion de filer. Je viens de vous la donner. C'est gentil. Et ça a l'air de quoi dehors? Ils pensent que vous êtes enfermés. Tout le monde se concentre sur la fête. Jusqu'ici, votre plan de dingue fonctionne. Et le docteur Amaral? Je l'ai pas encore vu. Elle est soit à la fête, soit dans son bureau au centre de recherche et développement qui se trouve ici, sur l'île. Je vais voir à la fête. Donc vous allez siroter du champagne pendant que je m'introduis dans un complexe sous haute surveillance. Vous avez tout prévu, on dirait. Je vous garderai une saucisse cocktail. Ah, dans ce cas, c'est bon. Ils finiront par me démasquer, mais ça devrait pas arriver tout de suite, alors vous pouvez sortir par devant avec moi. C'est le chemin le plus court vers le centre de recherche et développement. J'ai désactivé la sécurité de la porte de secours, mais il y aura des gardes. Contactez-moi quand vous y serez. Jack, vous savez ce qui est en jeu. Il n'est pas question de vengeance ici. Je suis pas là pour Paul. Allez, on y va. Vous devez vous enfuir. Vous vous rappelez? Hé, Ismar! Ça va laisser des marques, ça. Mes pouvoirs grandissaient, et j'apprenais à les maîtriser petit à petit. C'était une sensation incroyable. Putain, mais qui a conçu ces portes? Bon, je vais devoir être plus rapide pour les franchir. Bess, j'y suis. Et maintenant ?